Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de septembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste, vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour voir toutes les informations et tous les tirages que je propose. Et je vous rappelle aussi que je propose des analyses astrologiques privées. Donc si vous souhaitez une analyse de votre thème de naissance ou d'une autre analyse astrologique, vous pouvez voir aussi toutes les informations sur mon site internet. Voilà. Alors, les cancers au niveau amoureux pour ce mois de septembre 2024. Donc votre message principal, bon, vous avez la convergence sacrée, donc là c'est une très jolie carte qui parle d'âme sœur. En fait, ça parle des âmes sœurs sur le plan global, dans le sens où ça peut être des âmes sœurs amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, d'accord? C'est juste pour vous dire que vous êtes en train de faire le tri dans vos relations, ou peut-être que vous avez fait le tri dans vos relations et que maintenant vous pouvez vous ouvrir à des personnes qui vous ressemblent beaucoup plus, qui ont beaucoup plus les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes compréhensions, et voilà, donc vous vous entourez beaucoup mieux, ou alors vous rencontrez effectivement une personne en particulier dans le domaine amoureux qui est vraiment beaucoup plus en accord avec qui vous êtes et vos besoins, vos valeurs. Alors, pour les cancers au niveau amoureux pour ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qui va se passer ? Pour les cancers au niveau amoureux, pour le signe zodiaque du cancer, pendant ce mois de septembre 2024. Alors, par rapport à ce 5 d'épée. Le 5 d'épée. Bon, il y a le 3 d'épée qui a voulu sortir, mais bon, c'est un petit peu la même chose, 3 d'épée, 7 d'épée. Alors, par rapport à cette carte de l'empereur, l'as de bâton. Le 4 d'épée. Le 5 de coupe. Le fils de coupe. Le fils de pentacle. Le 2 d'épée. Vous avez un choix à faire peut-être entre deux personnes là. Ou alors entre deux possibilités que vous avez. Soit vous engagez avec quelqu'un, ou soit prendre vos distances. Ou alors vraiment vous avez un choix à faire entre deux personnes. Il peut y avoir avec quelqu'un en tout cas des conflits parce qu'il y a trop d'ego dans une situation. Donc soit de votre part, soit de la part de l'autre. Hein. Mais en tout cas, là, il peut y avoir quand même le fait d'être sur la défensive et puis d'être dans le conflit parce qu'il y a une personne en fait qui a de la difficulté à se remettre en question. Mais il peut y avoir aussi cette difficulté à être honnête envers l'autre ou envers soi. Donc encore une fois, vous voyez comment ça peut vous parler, si c'est plutôt vous, plutôt la personne en face de vous. Mais en tout cas là, il peut y avoir des conflits à cause de mensonges, à cause d'illusions ou à cause de tromperies. Voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc là, il y a quand même... Alors, soit il y a une nouvelle relation, un nouveau projet... dans une relation, en tout cas, il y a peut-être une nouvelle idée. Vous êtes peut-être dans une période de transition entre construire quelque chose de nouveau
avec quelqu'un et devoir régler des histoires avec quelqu'un d'autre. Alors, par rapport à cet as de bâton, ouais, hein, l'as de bâton, l'as de coupe, donc là, il y a probablement une nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation, une nouvelle rencontre par rapport à cette carte du pendu. C'est assez particulier là votre tirage parce que vous êtes et dans une énergie de nouveau départ et dans une énergie de conflit, dans une situation qui bloque. Alors, je vais essayer de comprendre par rapport à ce 2 de pentacle, en demandant plus de précision. Par rapport à cette carte du fou. Ouais, alors, c'est particulier. En fait, c'est très bizarre. Vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau et il y a quelque chose qui vous bloque. Donc vous n'y allez pas forcément. Vous n'osez pas, peut-être. Alors, est-ce que vous vous bloquez tout seul ou toute seule? Est-ce que il y a un schéma d'auto-sabotage à l'intérieur de vous et puis du coup, eh bien, vous figez en fait face à cette nouvelle proposition. Est-ce que ça vous parle? Ou sinon, est-ce que il y a une autre situation qui n'est pas encore réglée, qui vous bloque en fait dans ce potentiel de nouveau départ? Mais il y a pourtant un vrai potentiel de nouveau départ, hein. C'est ça qui est assez dingue. Alors, avec cette as de coupe. Ouais, hein, vous voyez, c'est vraiment ce nouveau départ. Il est, comment dire, il est destiné à obtenir satisfaction, en fait. Il y a l'air d'y avoir une réussite promise, en fait, avec ce nouveau départ, avec cette nouvelle relation. Alors, qu'est-ce qui vous bloque comme ça, en fait? C'est ça qui est assez étrange. Avec ce fils de coupe. Vous avez besoin de guérir d'une relation qui est terminée, hein, d'une relation passée. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, soit c'est intérieur, et puis du coup, vous vous bloquez tout seul ou toute seule. D'accord? Vous vous empêchez, alors, soit de vous engager avec une nouvelle personne, soit vous vous empêchez de profiter de ce nouveau départ, donc de ressentir la joie, de ressentir l'enthousiasme dans ce nouveau départ amoureux. Parce que vous pensez encore à quelqu'un du passé. Soit il y a effectivement une personne du passé qui vous tourne encore autour et puis en fait vous avez besoin de mettre des limites avec cette personne pour vous autoriser à vivre l'amour avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Voilà. Alors avec ce 5 de bâton. 3 de pentacle. C'est ça, c'est qu'en fait, il vous faut vous donner une chance d'être heureuse ou heureux dans cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous et qui a l'air vraiment prometteuse. Par rapport à cette carte du fou. Donc pour pouvoir oser, pour pouvoir prendre ce nouveau départ et voilà, vous lancer dans cette nouvelle relation, il va falloir déposer votre fardeau et mettre un terme à ce qui vous bloque. Donc voilà, soit un schéma intérieur, soit cette impression, cette sensation de devoir être loyal envers une personne qui pourtant ne l'est pas avec vous, probablement. Vu le 7 d'épée là, ou sinon, voilà, c'est simplement le fait de fermer ce livre avec cette relation du passé qui n'a plus lieu d'être.
D'accord, donc là, vous avez besoin effectivement de faire le tri. C'est exactement le message de cette carte. Pour pouvoir vous ouvrir peut-être à une âme sœur, là, hein, si je reprends le message de cette carte-là, qui parle de ça, eh bien, vous avez besoin de dire stop à une autre personne. Donc, à faire de la place, à faire du tri dans vos relations pour vous entourer uniquement des personnes qui en valent la peine. Voilà, donc je vais faire l'autre tirage. Pour le signe zodiaque du cancer au niveau amoureux pour ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe zodiaque du cancer au niveau amoureux? Oups, on a deux qui sortent. Carte examen. Ok, alors par rapport à cette carte fécondité. Ouverture. Verdict. Temps. Ça, c'est le 2 de pentacle hein, que vous aviez au même endroit. Séparation. Évolution. Accusation. Il y a quelqu'un qui ne souhaite pas vraiment que vous trouviez votre indépendance émotionnelle en fait. C'est quelqu'un qui était peut-être dans le contrôle avec vous, dans la manipulation, et puis du coup, maintenant que vous ouvrez les yeux, là il y a clairement le fait que vous y voyez clair, vous allez y voir clair dans les vraies intentions de cette personne et. Dans ce que vous voulez en fait pour vous et du coup à partir du moment où vous serez en accord avec vous-même et puis que vous allez vraiment y voir clair par rapport à votre relation passée là qui n'a pas fonctionné, eh bien vous allez pouvoir effectivement penser à vous autoriser à vivre l'amour avec quelqu'un d'autre, sauf que voilà. Soit ça a pris du temps pour que vous arrêtiez d'hésiter à vous lancer, soit vous allez encore hésiter, je pense que vous allez quand même encore un peu hésiter pendant ce mois de septembre pour vraiment vous autoriser à être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Parce que là, il y a une personne, j'ai l'impression, qui essaye encore d'avoir la main mise sur vous, un petit peu de contrôle sur vous, qui essaye de vous faire culpabiliser ou qui vous empêche d'une manière ou d'une autre à évoluer dans votre vie amoureuse. Vous voyez? Alors, soit c'est conscient, soit c'est inconscient, hein, mais quoi qu'il en soit, si vous donnez de l'importance à ce que cette personne dit ou fait, eh bien, effectivement, vous allez rester bloqué et vous n'allez pas pouvoir profiter de ce nouveau départ amoureux qui apparemment s'offre à vous. Donc, avec cette carte fécondité, donc là, il y a bien quelque chose de nouveau, hein, de stable en plus, d'abondant, hein. Donc, vous trouvez une stabilité déjà émotionnelle, intérieure. Donc, vous retrouvez, je pense, votre pouvoir et puis votre, ouais, vraiment votre indépendance émotionnelle. Et du coup, il y a quelqu'un qui perd son emprise sur vous, en fait, parce que vous retrouvez votre pouvoir intérieur, et puis du coup, ben, cette personne, elle est bien embêtée, j'ai l'impression. Alors, avec cette carte séparation, voilà, hein, donc il y a effectivement ce besoin de terminer, de fermer le livre. D'une relation qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est d'être dans l'acceptation que cette relation avec cette personne est terminée. Faites de la place pour pouvoir vous ouvrir à l'amour avec une personne qui vous mérite vraiment. Alors avec cette carte amour, voyez? Il y a une personne qui n'est pas contente. C'est exactement ce que je vous disais là. C'est cette personne qui est jalouse là. Elle ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse avec cette autre personne.
Et du coup, elle vous dit, voilà, je sais pas, la manipulation, hein, ça peut être n'importe quoi. Elle peut vous dire, ah, mais tu te trompes, moi je sais ce qui est bon pour toi. Vous voyez, il peut y avoir des phrases comme ça de manipulation qui ne sont pas du tout vraies, évidemment. Et du coup, ben, voilà, hein, les schémas ont la vie dure, hein, dans le sens où c'est pas forcément facile de se libérer complètement d'un schéma. Surtout si c'est un schéma de loyauté envers une personne qui ne le mérite pas, c'est pas forcément facile effectivement de fermer complètement ce livre qui pourtant vous emprisonne en fait, hein. Donc là, il est temps de mettre des limites, je pense, avec une personne qui peut-être essaye de vous faire croire qu'il ou elle vous veut du bien, alors qu'en fait, non. Voilà. Bon, je pense que c'est assez clair, hein, mais est-ce que je demande précision? Non, je pense vraiment que là, c'est vraiment clair. Non, ça, c'est clair. Ok. Bon, voilà pour vous les cancers. Donc, j'espère que ben, ça vous aura aidé si jamais cette situation vous parle. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé. Et à liker la vidéo aussi. Et à bientôt pour une autre guidance. Allez, au revoir.